Bonjour tout le monde, je crois que le Gratteur Fou ben, une petite vidéo très rapide pour expliquer que tout compte fait quand le joueur appuie sur le bouton spin de la machine à sous avant que les rouleaux s'arrêtent de tourner. La combinaison finale du jeu est déjà définie. Alors j'ai fait donc un petit texte sur une machine à sous. Le résultat final du jeu est déterminé à l'instant même où le joueur appuie sur le bouton spin, et ce même avant que les rouleaux de la machine à sous stoppent. Idem si le joueur fait un arrêt de rouleau manuel. C'est-à-dire si le joueur appuie sur le bouton stop afin d'arrêter le spin. Alors ici, donc un petit exemple de capture d'écran sur la machine à sous Eagleson. Donc ici, on appuie sur le bouton spin, soit le joueur peut attendre que les rouleaux s'arrêtent, soit il peut appuyer sur skip ou stop selon les jeux pour arrêter les rouleaux manuellement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici sur une partie récente de machine à sous, on a eu donc cet exemple. On va donc voir ça. Je pense que ceux qui ont vu la vidéo, ils ont très bien capté, enfin. Si bien sûr ils avaient les yeux rivés sur la balance. Alors donc actuellement c'est des spins à 100. Hop, on va remettre donc lecture. Voilà, donc dès que j'appuie sur spin, hop, il y a un petit laps de temps d'une seconde avant que la balance soit débitée de 100 euros. Et ici, regardez bien, hop, ça monte à 8 080,50 avant qu'on ait le montant du win final. Alors, je vais laisser la partie, puis je vais remettre ça en arrière. Voilà, 5 of a kind, hop. Alors, ce qui paye donc. Voilà, donc, hop, 3000. Je vais mettre sur pause vite fait. 3825. Alors, ce qui s'est passé donc sur cette machine à sous, c'est que j'ai appuyé sur spin. Ça n'a même pas eu le temps de me débiter 100 euros sur le montant de la balance, et hop. Les 3825 euros se sont crédités. Voilà, je vais le remettre en vitesse normale. J'appuie sur spin, hop, ça se crédite avant que la combinaison finale nous montre donc le gain. Voilà, gain qui était de 3000. 3825. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? J'avais donc 4 355,50 euros. J'ai fait le spin à 100, donc si j'enlève 100 euros, ça fait 4 255,50. Et par la suite, nous avons eu donc 4 255,50 plus 3 825 du win. Ça nous a amené donc à une balance de 8 080 et 50 centimes qu'on va regarder vite fait. Hop. Voilà, 4005, des spins à 100 euros. Tac, j'appuie. Il y a un petit laps de temps d'une seconde avant que les 100 euros soient débités. Et là, hop, j'appuie. Et ça met le win avant que les rouleaux s'arrêtent. Donc voilà, bah, apparemment, c'est pas une légende comme quoi, quand on appuie à l'instant précis où le joueur appuie sur le bouton spin, la combinaison finale est déjà prédéfinie. Ici, c'est un bon exemple. Voilà, 3825, donc je rappelle, j'étais à 4355,50, j'ai fait un spin à 100, il me restait donc 4255,50, plus 3825 du win, ce qui m'a boosté la balance à 8080 euros et 50 centimes. Et donc le montant a été crédité avant que les rouleaux s'arrêtent de tourner, et avant que le montant final, voilà, soit donc montré au joueur. Ben donc c'est donc un bon exemple comme quoi c'est pas une légende. À partir du moment où le joueur appuie sur le bouton spin, hop, la combinaison finale est déjà prédéterminée. Peu importe si le joueur appuie sur le bouton stop ou pas, c'est tout compte fait pareil. À l'instant même où le joueur appuie sur le bouton spin, ça détermine le résultat final de la partie. Bon, c'était une toute courte vidéo afin d'expliquer tout ça, comme quoi apparemment c'est pas une légende, hop. Comme quoi le bouton stop c'est juste histoire de faire beau, mais à partir du moment où le joueur appuie sur le bouton spin, le résultat final du jeu est donc défini, comme on a pu voir donc sur cette vidéo. Bon ben c'était juste un petit tuto, une petite courte vidéo, histoire de confirmer donc ce qu'on entend beaucoup sur les jeux de machines à sous, voilà. Donc je rappelle, on appuie sur le bouton spin, hop, la combinaison finale du jeu est prédéfinie, avant même que les rouleaux s'arrêtent. Et peu importe si le joueur appuie sur le bouton stop ou pas, c'est pareil.